If we go to 1 MCP, 153, paragraph 2. Ok. Donc, c'est pour un, c'est quoi ? C'est pour un bon équilibre mental et spirituel, donc 153.1 en anglais. As life with its burden of perplexity and care meets the newly wedded pair, the romance with which imagination so often invests marriage disappears. Husband and wife learn each other's character as it was impossible to learn it in their previous association, which is courtship and friendship. This is the most critical period in their experience. The happiness and usefulness of their whole future life depend upon their taking a right course now. Often, they discern in each other unsuspected weaknesses and defects. But the heart that love has united will discern excellences also therefore theretofore unknown. Let all seek to discover the excellences rather than the defects. Often, it is our own attitude, the atmosphere that surrounds ourselves, which determines what will be revealed to us in another. There are many who regard the expression of love as a weakness, and they maintain a reserve that repels others. This spirit checks the current of sympathy. As the social and generous impulses are repressed, they wither and the heart becomes desolate and cold. We should beware of this error. Love cannot long exist without expression. Let not the heart of one connected with you starve for want of kindness and sympathy. Donc, lorsque les... donc c'est donc pour un bon équilibre mental et spirituel. C'est bon. page 157.3. Alors, lorsque les nouveaux mariés se trouvent en face des difficultés, les idées romantiques que l'imagination avait prêtées au mariage disparaissent. Ils apprennent à se connaître tels qu'ils sont réellement, ce qui leur avait été impossible jusqu'alors. Cette période est la plus critique de leur existence. Le bonheur et le succès de toute leur vie future dépendent de l'attitude qu'ils auront à ce moment-là. S'ils découvrent l'un chez l'autre des défauts, ces cœurs que l'amour a unis apercevront aussi des qualités excellentes jusqu'alors insoupçonnées. Il faut chercher celles-ci plutôt que cela. C'est souvent l'attitude de l'un des conjoints qui détermine celle de l'autre. Beaucoup considèrent l'expression de leur affection comme une faiblesse et observent une réserve qui repousse. Cette manière d'agir empêche la sympathie de se manifester. Lorsqu'on réprime les sentiments de sociabilité et de dévouement, ils s'atrophient et le cœur devient aride et froid. Gardons-nous de cette erreur. L'amour qui ne s'exprime pas s'étiole. Ne laissez pas souffrir un cœur uni au vôtre en négligeant de lui témoigner de la bonté et de la sympathie. So, we've already read and discussed most of this paragraph, especially the first one. Donc nous avons déjà discuté de ce paragraphe, donc spécialement le premier. We see how once two people are married, they begin to discover things about each other that they hadn't seen before. Donc, lorsque deux personnes se marient, ils commencent à découvrir des choses qu'ils n'avaient pas vues auparavant. And when they begin to discern the weaknesses and defects of their partner, et lorsqu'ils commencent à découvrir les faiblesses et les défauts de leur partenaire, it's very easy for love to disappear and not show itself. Donc, c'est facile, en fait, que l'amour puisse disparaître et ne plus se montrer. We spoke about the atmosphere that surrounds us and our ability to see good in our partner. Donc nous avons vu aussi l'atmosphère qui nous entoure et la capacité de voir le bien dans le partenaire. Then she goes on in the second paragraph to talk about the expression of love. Et après dans le deuxième paragraphe, elle parle de l'expression de l'amour, which many see as a sign of weakness. Et que beaucoup voient comme une expression de faiblesse. And she then says that we end up having a reserve that pushes people away. Et après, elle dit qu'on commence à avoir une réserve qui éloigne les gens. So, just based upon some of those thoughts, donc, juste basé sur ces quelques pensées, I wanted to talk about apologizing. Donc, j'aimerais parler de le fait de s'excuser. And what apologizing means to you. Et qu'est-ce que veut dire pour vous s'excuser? If something goes wrong, donc si quelque chose se passe mal,
To you, what does an apology look like, a proper apology? Donc pour vous, à quoi ressemble une bonne excuse? Now, when you first think about this, you might just say, oh, it's relatively straightforward. Donc lorsque vous y pensez, vous pouvez vous dire c'est très simple et très facile. But I don't know in your own experience. Donc je ne sais pas dans votre propre expérience. But both in my experience and my observations. Mais dans mon expérience et mon observation. And of my reading upon the subject. Et dans mes lectures sur ce sujet. It seems to me that each of us. J'ai l'impression que chacun d'entre nous. If we desire an apology from someone. Si nous désirons une excuse de quelqu'un. Our expectations of what that apology looks like is different. Notre attente sur à quoi doit ressembler cette excuse est différente. We don't all desire or need or expect the same thing. Nous ne nous attendons pas, nous ne désirons pas la même chose. So I want to begin by just asking people here. Donc j'aimerais commencer à poser donc la question à ceux qui sont ici. Without thinking about the example. Donc sans penser forcément à des exemples. If someone did you wrong. Si quelqu'un vous a fait du mal. Your spouse, your friend, your brother, donc, sister. Votre frère et sœur, votre épouse ou. And they apologized. Et donc votre ami et cette personne donc s'excuse. What does that apology look like to you to make it effective? Qu'est-ce qu'il faut pour que cette excuse soit vraiment effective pour vous? I don't know if you have the term in French. Je ne sais pas si vous avez ce terme en français. Forgive and forget. Donc, pardonner et oublier. You have something like that? Yeah. Yeah. So, first of all, do we believe that that's true? Est-ce que nous croyons que c'est vrai? That when you forgive, you forget. Que lorsque vous pardonnez, vous oubliez. No? Anybody say yes? Est-ce que quelqu'un dit oui? Yeah? Yes? So, you're forgiven somebody. Donc vous avez pardonné à quelqu'un. And you can't remember what the issue was. Et vous ne pouvez plus vous souvenir de quel était le problème. Donc je ne pense pas que ce soit ce que ce proverbe veut dire. So, read literally, it doesn't work. Donc ça ne marche pas comme ça. You think it's trying to teach something else. Donc toi tu penses que ça essaye d'enseigner quelque chose d'autre. C'est sur ça? You actually forget? Donc toi, est-ce que tu oublies? That's been my experience. Ça a été mon expérience. You can't remember all the bad things that have happened to you. Donc tu ne peux plus te souvenir des mauvaises choses qui te sont passées. When someone has done something. Lorsque quelqu'un t'a fait quelque chose. And if they've apologized, et si elle s'est excusée, you can't remember. Tu ne peux plus te souvenir. And if they never apologized, you could remember. Et si elle ne s'était pas donc excusée, tu aurais pu t'en souvenir. Or if the apology has holes in it, then it still leaves something behind in memory. Donc les excuses ont toujours des choses qui font qu'il y ait des choses qui restent dans la mémoire. So your memory gets sort of wiped out. I'm not asking that. Donc ta mémoire est effacée. I'm asking, it says forgive and forget if you actually forget. Donc moi la question que je te pose c'est est-ce que tu oublies vraiment en fait, effectivement? It has happened when people have asked, do you remember that thing? Alors ça m'est déjà arrivé lorsque des gens m'ont demandé est-ce que tu te souviens de cette chose? Et j'ai dit non. Something good. Quelque chose. Something bad that a person. Non, quelque chose de mauvais que quelqu'un m'a fait. So you can remember all the good things and you can't remember any of the bad things that happened in your life. Tu te souviens de toutes les bonnes choses mais pas des mauvaises choses qui se sont passées. That have been forgiven. Qui ont été pardonnées. I just find that hard to believe. Je trouve que c'est difficile à croire. I can't say all, but it's happened where I can't remember certain things that people have brought to my attention. Donc je n'ai pas dit tout, mais ça arrive que certaines fois, je n'arrive pas à me souvenir de certaines choses et les gens sont obligés de me le rappeler à la mémoire. Qu'ils se souviennent m'avoir offensé. And I took no offense. Et pour moi, j'ai... Or forgave the whole thing and it...
que j'ai oublié, que j'ai pardonné et que du coup, j'ai oublié, j'ai tout oublié. So come when you get to heaven. Donc lorsque tu vas aller au ciel, you're gonna have this whole list of things that was done against you, and you say, I never remember any of that. Donc tu vas voir toutes les choses qui ont été faites sur toi et tu vas dire, je m'en souviens pas. Donc je ne sais pas à propos de ça en particulier. Because that includes a whole list of examples that aren't specifically covered by your question. Parce que ça parle d'exemples qui ne sont pas forcément couverts par ta question. You've got a whole heap of things that someone has asked for forgiveness. You're forgiven them. You can't remember now, but they'll be brought to your attention in heaven. Donc il y a des choses effectivement que tu as pardonné que tu ne te souviens pas, mais qui seront ramenées à ton attention lorsque tu seras au ciel et tu vas dire je ne me souviens pas de ça. Si ça a été c'est des choses pour lesquelles on a demandé pardon. J'ai pardonné. The next day you won't remember it. Donc le jour d'après tu ne t'en souviens plus. So if I hurt you today and tomorrow I said sorry, you say I forgive you. Tomorrow I say remember that thing, you say what thing? Donc ça veut dire que si aujourd'hui je te fais quelque chose de mal et que après je demande pardon et que tu me pardonnes, you lose memory. Si demain je viens te voir et tu vas me dire mais au fait quelle chose? Donc ça veut dire que tu as perdu la mémoire en 24 heures. You're assuming something with your apology that is conveying a attitude of not meaning. No, genuine. I'm not talking about some attitude. I'm saying if it's a genuine apology and you accept it, then in 24 hours you're going to say, I don't know what happened yesterday. Donc là, je parle vraiment d'une excuse authentique. Donc si je m'excuse vraiment authentiquement devant toi, et le lendemain, je viens te voir, tu vas me dire, mais je me souviens plus. I don't know about the 24 hours. Je ne sais pas à propos des 24 heures. But 24 days. Ou peut-être 24 jours. It might hold in memory for a little while. Peut-être que je l'aurai en mémoire pendant un certain temps. Just to see if the behavior truly was corrected and genuine. Si vraiment, pour voir si vraiment l'attitude est vraiment authentique et so vraie. You can hold things in your memory consciously. Donc tu peux garder des choses dans ta mémoire de façon consciente. C'est plus du subconscient. Parce que you're an actor. Donc je vais agir de la façon comme si rien ne s'était passé. Because that's what the word means, to act. Parce que tu me donc ça veut dire que tu es une actrice puisque tu as dit que tu vas agir. Of course, I didn't mean that in a bad way. Donc je ne disais pas ça d'une façon péjorative. We can act in a certain way towards people. On peut agir d'une certaine façon en face des gens. But doesn't mean we forget what they've done. Mais ça ne veut pas dire qu'on a oublié ce qu'ils ont fait. If that person truly is sorry and their behavior does. Mais si cette personne est vraiment désolée et son attitude reflète ça, le fait qu'elle soit désolée. Yeah. You're saying once that happens, you don't have the ability to recall that again. Parce que tu n'as pas la capacité de te rappeler. Et elle a dit, je n'ai pas le désir. Forgive and forget means you don't have the ability to remember. Donc, pardonner et oublier, ça veut dire que tu n'as pas la capacité de te souvenir. But what if having the desire to remember causes the ability to forget? Can you repeat? Avoir le désir d'oublier. I'll move on. Avoir le désir d'oublier. Ça, donc ça te donne la capacité d'oublier. Because I think we all have the ability to remember everything from way back, which je pense qu'on a la capacité to our memory or to the forefront of our mind, but we have the ability to do that. Je pense que nous avons la capacité de nous souvenir de toutes les choses qui se sont passées. I'll move on. Donc je vais avancer. So if you get hurt, donc si vous êtes blessé, what would an apology look like to you? Donc à quoi devrait ressembler une excuse pour vous? What would you expect? À quoi vous vous attendez? Brother Vlad. Vlad. What do you want to see in an apology? Qu'est-ce que tu veux voir dans just, une just
It's a singular point, the main thing that you want to see. Juste un point donc vraiment principal sur ce que tu veux voir. The same thing that God wants us to do, to say we are sorry and not to do it again. Donc la même chose que Dieu attend de nous, c'est-à-dire dire qu'on est désolé et qu'on ne veut plus le refaire. So, just say that again, the main point. Donc redis cela, le point principal. So, to say sorry. De dire je suis désolé. And not do it again. Et ne plus le refaire. So, you're gonna say. Donc tu vas dire. I won't do it again. Donc, je ne vais plus le refaire. So if I didn't say that to you, donc, si je te dis cela, if I just said, I'm really sorry about that, je suis vraiment désolé à propos de ça, that wouldn't be enough for you. Pour toi, ce n'est pas assez. You want me to say, tu veux absolument que je dise, I won't do it again. Je ne le referai plus. Sorry is fine for me. That's enough. Just saying the words, those words, yeah. So I don't need to add this bit on it. So, not talking that. Just don't do it with actions. You don't gotta tell me I won't do it again. Yeah, just show me you won't do it again. I want you. Attends, tu peux répéter parce que du coup j'ai. Ne me dis pas que tu vas le refaire, mais montre-moi que tu vas le refaire. Ok, tu n'es pas obligé de me dire que tu ne vas pas le refaire, mais montre-moi que tu ne le referas plus. So I don't have to say I'm not going to do it again. I want you to tell me what I have to say to you. Donc, moi je veux que tu me dises qu'est-ce que tu veux que je te dise. I'm sorry for that. Je suis désolé pour ça. For that thing that, I don't know, the thing that bothered me. So I have to express regret. Donc je dois exprimer des regrets. Right. Say sorry. Donc je vais dire que je suis désolé. And if I did that, that would be enough for you. Et si je dis ça, ce sera assez pour toi. Afterwards. Et après. By your actions. Par tes actions. I'm just asking what I need to say to you. Donc moi je veux juste savoir ce que tu as besoin que je te dise. So that everything is reset now. Afin que tout soit remis, les choses soient remises à plat. Donc ça doit être authentique. Yeah, I said I'm sorry. Donc j'ai dit que je suis désolé. So why you say I'm sorry? Donc je dis que je suis désolé. I could smile or something. Donc, you say that's fine with me. Donc si je souris, donc tu vas me dire que c'est bon pour toi. So as long as I say that, then you know it's genuine. Donc dès que je dis ça, tu comprends que c'est authentique. Ça dépend. On your mood? No. How much do I know you? Donc ça dépend de la façon dont je te connais. If I know you well enough, donc si je te connais suffisamment bien, I can tell it's genuine. Je peux savoir si c'est authentique. If not, et si je te connais pas, I don't really know. Je ne sais pas vraiment. Sister Madison. Ça dépend. What is an effective apology for you? Donc, c'est quoi une excuse effective pour toi? I'm sorry, it would be fine, but they have. I think the person has to realize what they did. Alors, je pense que le fait de dire c'est désolé, c'est bien, mais la personne doit réaliser ce qu'elle a fait. So when you say that's fine. Donc lorsque tu dis c'est ok. And you put this big but. Et après tu mets quand même le mais. You're actually saying that's not fine. Donc tu dis en fait c'est pas bon. So it seems to me the but is what's really important. Le mais est ce qui est vraiment important. So you're saying. Donc toi tu dis. The person says I'm sorry, but they realize what they're apologizing for. They're not just apologizing because they, I don't know. Donc la personne s'excuse mais doit vraiment réaliser ce qu'elle a fait. Realize. Yeah. R-E-A. So they need to realize what they've done. Donc ils ont besoin de réaliser ce qu'ils ont fait. So Sister Madison, I can see you upset with me. Donc je vois que tu es en colère avec moi. I know things have not gone right today. Je sais que les choses n'ont pas bien été aujourd'hui. Whatever I've done. Donc peu importe ce que j'ai fait. I'm sorry. Je suis désolé.
And you, that's not good enough for you. Donc pour toi, c'est pas suffisant. But I'm saying that to apologize, just to apologize. But I don't know what I've done wrong. Mais je sais ce que j'ai fait de pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait de pas bien. I have no realization of it. Je n'ai pas réalisé. And I'm just saying sorry. J'ai juste dit que je suis désolé. And that's where communication would come in between the two people. So you're saying. Sorry. That's where communication would come in between the two people. That's. That is where. Ah oui, donc c'est là que la communication peut revenir entre deux personnes. So you're going to come and say, donc tu vas dire, that's not good enough. Ce n'est pas suffisant. I want you to tell me what you did wrong. Je veux que tu me dises ce que tu as fait de mal. If you don't know what you did wrong and they, like this person asks, what did I do? Donc si tu ne sais pas ce que tu as fait de mauvais, une personne te demande, enfin la personne te demande. Ah, attends. Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel je devrais m'excuser? Non, attends. Can you repeat? And the one person asked, is there something I did? And donc une personne demande s'il y a quelque chose qu'elle a fait de mal. The other person needs to express what happened. Et donc l'autre personne doit exprimer ce qui s'est passé. And then they apologize. Et après, ils s'excusent. So I really upset you. I don't know what happened. Donc je t'ai vraiment énervé, je ne sais pas ce qui s'est passé. And you say, et toi tu dis, you never smiled at me. Tu ne m'as jamais souri. So I'm saying, now I realize, et maintenant je réalise, I'm apologizing because I didn't smile, I had a really bad day. Donc je ne t'ai pas souri et que c'était un mauvais jour. So it has to be something specific. I have to realize what I've done. Donc ça doit être quelque chose de spécifique et je dois réaliser ce que j'ai fait. Because without that, you can't have closure. Parce que tant que cela n'est pas fait, tu ne peux, enfin, c'est pas terminé. I don't know. Peut-être, je ne sais pas. Because if you don't know what you're apologizing for, then why are you apologizing? Donc, si tu ne sais pas pourquoi tu t'excuses, pourquoi tu t'excuses? Because I can see you're upset. Parce que je peux voir que tu es énervé. I'm just sort of like covering all bases, which doesn't translate well. Ah ouais, je couvre mes arrières, ok. But you say that's not a proper apology. Donc I don't toi, even tu vas know dire if it's genuine. Que ce n'est pas une bonne excuse. Ce n'est pas une excuse authentique. I'm saying. Donc je suis en train de dire. You have to know. Tu dois savoir. Because when you get into a relationship. Parce que dans une relation. And I do that to you. Et que je te fais ça. I don't know. I'm sorry for whatever I did. Donc moi je veux dire, je suis désolé pour, enfin peu importe ce que j'ai fait, mais je suis désolé. Because what am I really saying? Qu'est-ce que je suis vraiment en train de dire? I'm not sorry. Que je ne suis pas désolé. For you. Pour toi. So I think you do need to know. Donc tu as besoin de savoir. What works for you. Qu'est-ce qui marche pour toi? Because if I don't give you what you need. Parce que si je ne te donne pas ce dont tu as besoin. Our relationship breaks down. Notre relation va s'écrouler. Okay, so one of them is I need to say sorry. Donc il y a une chose, c'est je dois dire que je suis désolé. The other one, I need to realize what I've actually done wrong. Mais l'autre, c'est que je dois aussi réaliser ce que j'ai fait de mal. And I'm saying they're quite different things. Et je dis qu'il y a beaucoup de choses différentes. Two different people expect or require or need. Two different things. Deux personnes peuvent avoir besoin ou de deux choses différentes. And if you don't know yourself, et si vous ne vous connaissez pas vous-même, or ou if you don't tell the person how you work, how you operate, si tu ne dis pas à la personne comment tu fonctionnes, your relationship is doomed to failure. Votre relation est vouée à l'échec. Because we're all bound to make mistakes, aren't we? Parce que on peut tous faire des erreurs. Even if you're really nice, même si on est quelqu'un de très gentil, you're bound to come to a place where something's going to go wrong. On va arriver à un endroit où quelque chose va mal se passer. And you will have to apologize. Et vous devrez vous excuser. Okay. So, anyone else? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Do we have to wait that the person apologize to forgive? No, you have to tell me. Non, tu dois me dire.
What works for you? Qu'est-ce qui marche pour toi? Not a hypothetical question. Pas une question hypothétique. I want to know what you need. Moi, je veux savoir ce dont tu as besoin, toi. Not a biblical principle or rule. Pas un principe biblique ou une règle, mais toi, qu'est-ce que tu as besoin? In your relationship with someone. Dans ta relation avec quelqu'un. You mean to forgive? In order to forgive? I have done something to you. Je t'ai fait quelque chose. And I presume you want me to say sorry. Et je présume que tu veux que je dise que je suis désolé. Unless you're saying you don't care. À moins que tu dises je m'en fiche. So I can keep on hurting you or doing something wrong, then you say it's fine, I don't mind. Alors ça veut dire que je peux continuer à te faire du mal et tu dis ben c'est pas grave, ça me fait rien. And if you do expect an apology from Donc, me, si tu t'attends à une excuse de ma part, I'm asking, what is it that you expect? Et moi, je te demande, à quoi t'attends-tu? The primary thing that you need. Donc, la chose primaire que tu as besoin, première que tu as besoin, to have closure and to maintain the relationship. Afin que cela se termine et que la relation se maintienne. Just the main one for you. Donc le principal pour toi. Making steps to repair. Donc faire des étapes, donc acknowledgement of. Just give me one. The main one. Donc la principale c'est. Make the steps to repair the damage. Donc montrer donc des étapes pour réparer le mal qui a été fait. So directly speaking, I'm saying. I heard you today. Donc j'ai dit donc je t'ai fait du mal aujourd'hui. I'm really sorry. Je suis vraiment désolé. And you're gonna say. Et tu vas me dire. That's just not good enough. Ce n'est pas suffisant. I saw your shoulders shrug up when you said that, so I know it's not true. J'ai vu ton épaule se lever quand tu as dit ça, donc je sais que c'est pas vrai. So what are you gonna say? Donc qu'est-ce que tu vas dire? You're saying it's not good enough. Tu vas dire ce n'est pas suffisant. I want. Je veux. Une plus profonde reconnaissance. I'll go with deeper acknowledgement. Donc on va aller donc avec une plus profonde reconnaissance. So deeper acknowledgement. Donc une plus profonde reconnaissance. I'm going to rephrase that. Je vais reformuler cela. And what she actually wants from me. Donc ce qu'elle attend de moi. Is that I. Que moi, je take responsibility. Je prenne donc mes responsabilités. So, I'm taking responsibility. Donc je prends mes responsabilités. It was my fault. C'était ma faute. Nothing to do with you. Rien à voir avec toi. And I'm not blaming you. I'm taking complete responsibility. Mais je ne te blâme pas et je prends la responsabilité complète. Of what went wrong. De tout ce qui a, de ce que j'ai fait de mal, de ce qui a mal été. So then we would talk about that deeper issue that's truly at the heart of what went wrong. Donc nous allons aller vraiment parler en profondeur du sujet sur ce qui a mal été. Okay, so we discuss it, but this is the main one you want me to do. Donc ça c'est la, on a vu ça, mais c'est la chose principale que tu veux que je fasse. If I said, si je dis, you know, neither of us are really nice people. Donc aucun de nous, nous sommes des personnes gentilles. And it's a big house we have. Nous avons une grande maison. You expect me to do all of this by myself? Tu veux que je fasse tout par moi-même? Would you expect? À quoi t'attends-tu? I'm stressed. Je suis stressé. All of this, I'm essentially saying it's not my fault. Donc, you're partly responsible. Donc je vais dire tout ça c'est pas de ma faute, c'est toi qui es responsable. So I'm not really seeing my responsibility donc, in what's gone wrong. Je ne vois pas vraiment ma responsabilité dans ce qui a mal été. So obviously we can talk about it. Donc on peut en parler. But that seems to me what you're saying is important for you. Mais il me semble pour moi que c'est ce que tu as dit est important pour toi. Because that would at least open up a dialogue. Yeah. Parce que au moins donc ça ouvre un dialogue. Because perhaps partly I am responsible.
Parce que peut-être que moi, partiellement, je suis responsable. Well, if you are, then I could just say half of it's your fault. Donc je peux dire la pour moitié, c'est de ta faute. You could, but that would be shifting the goalposts. So that would not work for you. Donc ce, ça... Shifting the responsibility. Ah oui, donc ce serait éluder donc la responsabilité. So we have to. Some people say that all they want. Donc certaines personnes ont dit que tout ce qu'elles veulent. Is to me to say. C'est que moi je dise. I'm sorry. Je suis désolé. And I have to say what I'm sorry for. Et je veux dire, mais je suis désolé de quoi? Can't you say sorry? Je peux pas simplement dire que je suis désolé. The other one says. Il y en a d'autres qui ont dit. Really need to realize what I'm sorry for. Qu'ils ont besoin de voir que je réalise pourquoi je suis désolé. Another one says. Et il y a quelqu'un d'autre qui a dit. I need to take personal responsibility. Je dois prendre une responsabilité personnelle. Anyone else? Quelqu'un who's d'autre? Got a different one. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose de différent? Sorry? Alors, on s'en fiche de si la personne, elle s'excuse ou pas, on continue. So, let me get this clear. Donc, je vais éclaircir cela. Dans quelle situation sommes-nous? Husband and wife. Donc, c'est mari et femme. Courtship. Une relation. Person you want to marry. Personne ou fiancée. I thought it was life. Ah, je pensais que c'était dans la vie courante. Even in any relationship. Et même dans n'importe quelle relation. If to have a good friendship. Pour avoir une bonne amitié. Could you have a good friendship and say, I don't care? Est-ce qu'on peut avoir une bonne amitié en disant, peu importe? Because your best friend is supposed to be your spouse. Parce que vos meilleurs amis sont supposés être votre époux. If your boss at work. Donc si ton comment dire ton did chef something wrong, à ton travail fait quelque chose de mal. You say tu vas dire, she doesn't have to apologize to me. It's all okay. Elle a pas besoin de s'excuser envers moi, c'est bon. I don't believe that. Je ne peux pas croire ça. That it'd be okay if they didn't apologize. Que ce soit bon si je ne m'excuse pas. On peut dire, ben, tu peux très bien dire, même si je suis blessé, eh ben, je continue. In marriage, you just carry on. Donc, dans le mariage, tu continues. At work, with a friend. Mais au travail ou avec un ami. But I don't think you say it's okay. Mais je ne pense pas que tu dis, c'est ok. There's a world of difference between saying, I just carry on, and it's okay. Il y a une différence entre dire, ben, je continue et c'est ok. Donc lorsqu'on dit bah on continue on. We don't let this thing hurt you. Donc, and you carry on. On ne laisse pas cette chose nous impacter et on continue. So you wouldn't be hurt if your friend mistreated you. Donc tu ne serais pas heurté si un de tes amis te traite mal. You know that you will be hurt. Tu sais que tu seras blessé. You carry on. Tu continues. But if it's continue. Mais, mais si ça continue, la relation va donc s'arrêter avec cette personne. Parce que ce n'est pas une bonne relation. Anyone else? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Sister Brittany, then Sister Gladys. Donc je pense que le fait de réaliser ce que la personne a fait, donc c'est pas suffisant. For you, because it is for someone else. Technically, just I'm sorry should be enough. But donc de façon technique, le fait de dire juste je suis désolé serait suffisant. It's an added bonus when somebody expresses genuine remorse for what they did. Mais c'est quand même quelque chose de bien si la personne donc exprime en fait une repentance authentique pour ce qu'elle a fait. So genuine remorse is I express regret. Donc des remords en fait, c'est genre j'exprime du regret. That's enough for donc you. Pour toi, c'est suffisant pour toi. Yeah. Oui, je pense. Sister Gladys. Gladys. Moi, ça ressemblerait à ça. For me, it will seem like this. Quand j'ai fait cela, when I did that, did what? Quand t'as fait quoi? Quand j'ai fait telle action,
Donc, when I did this bad action, j'ai vu que ça t'a touché ou affecté de telle manière. I saw that it hurt you and it affect you. Voilà. Et là, en fait, pour moi, ça ouvre la discussion. For me, it's opened the discussion. Et la discussion. And the apologize. Okay, I need something succinct that I can write down like a bullet point. J'ai besoin de quelque chose de succinct que je puisse écrire comme un point. Okay, to acknowledge the bad that you did and the impact on the other. So I need to acknowledge what I did. Donc ça veut dire que j'ai besoin de reconnaître le mal que j'ai fait. Which means I need to take responsibility of what I did and I need to realize exactly what I've done to you. Donc ça veut dire prendre responsabilité de ce que j'ai fait et réaliser exactement ce que j'ai fait pour toi. Sister Anne. Anne. What do you expect? Qu'est-ce que tu t'attends? I would like to come back what Chimène was saying. Lorsque on est dans le travail et que mon supérieur ou mon collègue me dit quelque chose qui nous déplaît. So when you are at your work and your boss or say that something that hurts you. Je fais la part des choses parce que je me dis bon, de toute façon dans 5 heures je suis chez moi et c'est pas grave. I can carry on because I say that I will be at home. In few moments, so it's okay. Mais dans le couple, je m'attends à ce que on puisse pas accumuler des choses de la rancœur. In the relationship, I expect that you not accumulate, you know, things. Bitterness. Et donc, j'ai besoin que so I need that we apologize genuine. Apologize every time something bad is done. So small thing or big thing. Yeah, everybody wants to apology. Donc tout le monde veut s'excuser. Everybody wants it to be genuine. Tout le monde veut que ce soit authentique. But I'm asking for you. Mais j'ai dit pour toi. What do you need? De quoi as-tu besoin? To make the apology effective for you, because people need different things. L'excuse soit efficiente pour toi, puisque les gens ont besoin de choses différentes. If it's one of these, that's fine. I'm just wondering if it's another one. Donc, for si you. C'est une de ces trois, c'est bien, mais j'ai juste besoin de savoir si c'est quelque chose d'autre. Non, j'ai besoin qu'on parle. J'ai besoin qu'on parle. I need talking and communicating. Because unless someone's got any more different ones, I'll give you some. Est-ce que quelqu'un a quelque chose de différent? Can we say maybe it's the same that take responsibility, but not to minimize what the person has done. Alors peut-être que c'est la même chose que prendre responsabilité, mais c'est aussi donc ne pas minimiser ce que la personne a fait, c'est ça? So I don't make excuses. Donc ne pas minimize it. Ne pas minimiser, donc ne pas excuser ce que la personne a fait. Ah ouais, donc la personne, the person don't have itself to minimize, to say, oh no, what I done is not a big thing. So. Yes. So. Ask for forgiveness. Donc, demander pardon. So, some people. Donc certaines personnes. If you do wrong to them. Donc si vous leur faites du mal. What makes it better for them? Donc ce qui est mieux pour eux, pour elles. Not only if I say, Sister Natasha, I'm sorry. C'est pas simplement dire, Sœur Natasha, je suis désolé. What I need to say is. Ce que je dois te dire, c'est. Will you please forgive me?
Est-ce que tu veux me pardonner? And then when you say, et alors tu dis, I forgive you. Je te pardonne. Just the expression of that, juste l'expression those words de cela, juste l'expression de ces mots, helps you va vous aider to have a closure of this issue, pour this que episode. Cet épisode, ce problème se règle. For some people, it's really important for them to have the opportunity. Donc, pour certaines personnes, c'est important qu'elles aient l'opportunité to actually forgive the person, de to vraiment verbalize it. Verbaliser, de pardonner la personne. And they want you to ask for forgiveness. Et ces personnes veulent que vous demandez le pardon. Because unless I say, will you please forgive me? Parce que à moins que je dise, est-ce que tu veux me pardonner? To you, it doesn't sound like a genuine apology. Pour toi, ça ne va pas sembler comme étant une excuse authentique. If I say sorry, si j'ai juste dit désolé, you say, okay, that's okay. Tu vas dire c'est bien. And you say, I forgive you. Si tu dis je te pardonne. But you're never sure if I actually want you to forgive me. Mais tu n'as You're never sure. Tu n'es jamais sûr. If I actually want you to forgive si me. Si moi je voulais que tu que if I okay. You're never sure that. You're never sure. Tu n'es pas vraiment pas sûr. That I actually want you to forgive me. Que moi je voulais que tu me pardonnes. Which means. Cela veut dire. I'm not really that sorry for what I've done. Je suis pas vraiment désolé pour le mal que j'ai fait. Because for me to say, would you forgive me? Parce que le fait que je dis, est-ce que tu veux me pardonner? I have to be very submissive. Je dois être soumis. And admit my guilt. Et donc reconnaître ma culpabilité. So, I don't know if anyone who hasn't spoken actually has this strong thought in their mind that this is what they need. Donc je ne sais pas si ceux qui n'ont pas parlé ont aussi cette forte impression que c'est ce dont ils ont besoin. Another one. Il y en a une autre. Is to make restitution. C'est de restituer. Which means whatever I did wrong. Donc peu importe ce que j'ai fait de mal. Whatever the damage I did. Et peu importe les dommages que j'ai causés. I need to fix it. Je dois le réparer. So if I stole something from you. Donc si je t'ai volé quelque chose. Say like. Came to your house. Je suis venu dans ta maison. And I went in your kitchen and I broke a glass. Je suis allé dans ta cuisine et j'ai cassé un verre. And I say. Et je dis. I broke your glass. I'm really sorry. J'ai cassé ton verre. Je suis vraiment désolé. You say that's not enough. Tu vas dire ce n'est pas suffisant. That doesn't sort the problem out. Ça ne résout pas le problème. What you want. Ce que tu veux. Is for me to buy you a new glass to replace the damage. Que tu veux que je rachète un nouveau verre pour remplacer celui qui est cassé. And for some people, that's really important. Et pour certaines personnes, c'est très important. Now there's some things you can't make restitution for. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas restituer. So it's anniversary. Donc c'est un birthday. Wedding anniversary. Birthday is birthday. Okay, anniversaire de mariage, c'est ça? Okay. And you forgot the anniversary. Ah oui, donc tu as oublié l'anniversaire de mariage. And you can say, I'm sorry. Et tu vas dire, je suis désolé. I take full responsibility. Je prends toute la responsabilité. I ask for forgiveness. Tu demandes pardon. And you say, that's not good enough. Et tu vas dire, ce n'est pas suffisant. For some people, it is. Pour certaines personnes, c'est suffisant. But for you, mais pour toi, number five, numéro 4, numéro 5, now you're gonna pay for that. Maintenant, tu vas payer pour cela. And you have to fix the problem. Tu dois résoudre le problème. So I have to make restitution. Donc on doit faire une restitution. Now what may have been a bunch of flowers. Donc ça peut être un bouquet de fleurs. May now cost me. Donc ce qui aurait pu être simplement un bouquet de fleurs. A weekend holiday. Ça peut maintenant être un week-end en vacances. Because now I have to really prove that I'm sorry. Parce que maintenant je dois vraiment prouver que je suis désolé. And for some people, this is critical. Et pour certaines personnes, c'est vraiment un point critique. Now, if you're this kind of a person, if you're this kind of a person, donc si tu es ce type de personne, and you married this kind of a person, et tu t'es marié avec ce type de personne, he thinks, lui, il pense, all he needs to say is, que tout ce dont on a besoin, c'est de dire, please forgive me, s'il te plaît, pardonne-moi. And the wife is thinking, et la femme elle pense. Is he real? Est-ce qu'il est sérieux? Is he pretending? Est-ce qu'il est vrai? This is not an apology. Ce n'est pas une excuse.
This thing is serious. It's our wedding anniversary. Donc c'est quelque chose de sérieux. C'est notre anniversaire de mariage. And we can cause a lot of hurt and damage. Et on peut causer beaucoup de problèmes et de dommages. And people don't get over those things. Et les gens n'arrivent pas à surmonter ces choses. The sister Shemaine says, well, it's okay. Donc Shemaine dit, ah, c'est ok. I married that kind of a husband. Je me suis marié avec ce type de mari. But that doesn't fix the hurt. Mais ça n'a pas réparé la cause. Because the husband, parce que le mari, or the wife, whoever it is, ou la femme, doesn't realize, ne réalise pas, how to forgive, comment pardonner, or the forgiveness that meets the needs of their partner, ou comment dire, le type de pardon qui rencontre les besoins de son partenaire. And if you don't close that hurt, et, that wound, si on ne donc ferme pas cette blessure, it festers, ça va s'infecter. And your whole marriage gets damaged. Tout le mariage va être endommagé. Before you marry, avant de vous marier, you need to understand who you are. Vous devez comprendre qui vous êtes. You need to understand what forgiveness you demand from somebody, what you expect. Quel est le pardon que vous attendez de quelqu'un? And you and I are in a courtship. Et nous sommes dans fiancés. And you can't expect me to have supernatural power and work it out. Et on peut pas, vous pouvez pas attendre que j'ai des pouvoirs supernaturels pour tout résoudre. You have to tell me. Tu dois me le dire. Which means you have to know yourself. Donc ça veut dire que tu dois te connaître toi-même. All of us are adults. Nous sommes tous des adultes. Because children shouldn't marry. Parce que les enfants ne devraient pas se marier. So you should know. Donc tu devrais savoir. What you expect. De quoi, qu'est-ce que tu as besoin et à quoi tu t'attends. An apology to look like. À quoi, enfin comment pour toi une bonne excuse, à quoi cela ressemble. And the problem is most of us. Et la plupart c'est que la plupart d'entre nous. Have been brought up in a certain way at home. Nous avons été élevés donc d'une certaine façon à la maison. And if you're a man, et si vous êtes un homme, and your father never said sorry for anything, et ton père, il n'a jamais dit désolé pour quoi que ce soit. You think that's what an apology is. Vous pensez que c'est à ça que ressemble une excuse. Like Sister Shemaine. Comme Shemaine. You just move on. Donc vous continuez. Don't worry about it. Enfin voilà, pas d'inquiétude pour cela. Now that might be good for you. Donc peut-être que c'est bon pour toi. But if you try that, mais si tu essayes ça, when someone who you're marrying expects this, alors que la personne à qui tu es marié s'attend à cela, or they expect you to take responsibility, ou elle s'attend à ce que tu prennes tes responsabilités, you're in serious trouble now. Tu es dans un problème sérieux. And you can never have a proper relationship with that person. Et tu ne pourras pas avoir une bonne relation avec cette personne. One more. I'll give one more. Donc, je vous donne un de plus. So, yeah, I might forget as well. Okay, so another one is, you expect. Donc, tu attends. The person. Tu attends que la personne. To change. Change. So I'm saying, I'm really sorry I did this. Donc, je suis vraiment désolé de fait d'avoir fait cela. Promising you. Je te promets. I will never do that again. Je ne le referai plus. I shouted. Je le crie. We got into an argument. Donc, nous avons une dispute. And it's not enough for you to say. It's not enough for you if I say I'm sorry. Donc, c'est pas assez si je dis voilà, je suis désolé. I had a really bad day at work. J'ai eu une mauvaise journée au travail. I'm asking for your forgiveness. Et je te demande pardon. You say that's all good. Tu dis c'est bien. And I bought you some flowers. Et je t'apporte des fleurs. You put the flowers down because you don't care about flowers. Et tu mets les fleurs de côté. Tu dis moi je m'en fiche des fleurs. What you expect? Ce que tu attends? Is for me to give my word. Tu veux? That I'm never going to do it again. C'est que tu veux que je promette de ne plus jamais le refaire. And you're going to hold on to that promise. Et tu vas te tenir à cette promesse. And you're going to expect it to be fulfilled. Et tu vas t'attendre à ce qu'elle soit accomplie. And if I fail, et si j'échoue, you're going to say you promised. Tu vas me dire mais tu avais promis. So this is not an exhaustive list. Donc ce n'est pas une liste exhaustive. But I think most people's idea of apology fits in mais one of these categories. Que, les idées des gens sur donc les excuses rencontrent donc ces cas.
If you didn't do it when you were courting, si vous n'avez pas fait lorsque vous étiez fiancé, you're already married, vous êtes déjà marié, and you haven't worked out, et vous n'avez pas résolu how you and your spouse operate, comment toi et ta femme vous opérez, you should spend time discussing. Vous devrez passer du temps pour discuter de cela. What a true apology looks like to you. À quoi ça ressemble une vraie excuse. So that your partner, afin que ton partenaire, can begin to change the way that they speak with you and operate. Puisse changer la façon dont elle vous parle et comment elle opère avec vous. Because this is one of the big areas in marriage. Parce que c'est une des grandes, un grand domaine dans le mariage. That erode love. Qui fait en fait diminuer l'amour. You can speak now. Anyone? Alors, c'est un peu nous. Because now in the context of the couple, I said that. Donc, tu as dit que nous sommes dans le contexte du mariage. Don't forget that I was not in this context. Donc, n'oublie pas que je n'étais pas dans ce contexte. So, coming back to this context. Donc, si on revient dans ce contexte. Can I just say, most marriages. La plupart des mariages. People don't apologize properly. Les gens ne s'excusent pas correctement. And when you say that in this context, dans ce contexte, like you say you just live with it, ça veut dire que tu laisses ça de côté. Most people do that. La plupart des gens font cela. Because if I expect, bah, si je m'attends, this one, celui-là, and my wife never gives it to me, et ma femme ne me le donne jamais, what am I going to do? Qu'est-ce que je vais faire? I'm not going to go divorce her. Je ne vais pas la divorcer. I just live with it. Je vais la laisser de côté. And for me, et pour moi, she's never apologized. Elle ne s'est jamais excusée. She can say all the sorry she wants to, and it makes no difference because that's not an apology. Elle peut s'excuser de toutes les façons, mais pour moi, ça va faire aucune différence parce que c'est pas une excuse valable. And I think many married couples live like that. Et beaucoup de mariages se vivent comme cela. So I say it doesn't matter what the relationship is because it holds true to all relationships. Donc peu importe le type de relation, parce que c'est ça marche pour ça fonctionne dans toutes les relations. Donc la façon dont on agit dans son couple n'est pas la même avec les amis, mais bon. So, the example you gave for, make restitution. Donc l'exemple que tu as donné pour faire la restitution. In the real life, dans la vraie vie, it's more about behavior or wording. C'est plus par rapport à l'attitude ou aux paroles. So, how can you make restitution? Donc comment on peut faire une restitution? Because if the partner waiting for a restitution. Si la le partenaire donc attend une restitution. Because restitution in words or action. No restitution. Donc alors la this kind of example. Is in action. Donc la restitution c'est en action. You need to restore. Tu dois restaurer. Yeah, what you have broken. Yes. In the context of apologize. Dans le contexte de l'excuse. Most, I don't know if it's most of the time, but often it could be about a word you said. Because when you're upset, sometimes you can do a pronounce word, strong word or comme bad word. Quand tu es en colère, tu peux donc prononcer des mots durs. Donc, on ne peut pas restituer forcément. So, yes, you can. If this person is in this, let me give an example. Donc, laisse-moi te donner un exemple. I shout at you. J'ai t'écrit dessus. Because you didn't get dinner ready in time. Parce que le repas n'était pas prêt dans les temps. And you always do this. Et tu fais toujours cela. And I'm tired of it. Et je suis fatigué. And then you start crying. Et tu commences à pleurer. I said, oh, I'm sorry. Et je dis, ah, je suis désolé. Let me make it better. Donc, je vais refaire cela. I take all my words back and I ask you to forgive me. Donc, je reprends, j'annule tous les mots que je t'ai dit et je te demande de me pardonner. And you say, that's not good enough. Et tu vas dire, ce n'est pas suffisant. I want something tangible. Je veux quelque chose de tangible. Like, take me out for a meal. Donc, ça veut dire, emmène-moi au restaurant. Buy me some present. Achète-moi un cadeau. A gift. Un don. A blouse. A blouse. Shirt. Une chemise. I need some physical, tangible thing to make it better. Quelque chose de tangible pour que ça aille mieux. Some people need that to get over these hurts. Donc certaines personnes ont besoin de ça pour surmonter donc ces blessures. Some people need other types of forgiveness. Donc,
deux personnes ont besoin d'autres types de pardon. Brother Vadim. Is it possible that these different kinds of forgiveness depend upon context? Est-ce que c'est possible que ce type de pardon dépend en fait du contexte? What each one looks like may depend on the context. What's, what the detail of it may depend on the context. Donc le détail dépend sûrement du contexte. But the principle is normally fixed. Mais les principes sont les mêmes. Because they're based upon people's personalities, parce which change very little over a lifetime. Ils sont basés sur la personnalité des gens qui changent très peu pendant la période de vie. So if you expect for me to ask you for forgiveness, donc si tu t'attends à ce que moi je te demande le pardon, the wording may look slightly different depending on the context. Donc la formulation peut paraître différente selon le contexte. But if I just said I'm sorry, mais it was all my fault. Si j'ai simplement dit c'est je suis désolé, c'est tout de ma faute. That's not enough. Ce n'est pas suffisant. I have to add this context. Je dois donc ajouter ce contexte. For you to participate. Afin que tu puisses participer. For you to say something. Afin que tu puisses dire quelque chose. Like, can you please forgive me? Genre, est-ce que tu peux me pardonner? And until you say those words, it doesn't resolve the problem. Et tant que tu n'as pas dit ces mots, le problème n'est pas résolu. Why doesn't this carry over from marriages or couples to the rest of relationships? Why doesn't it? Sorry. Yeah, why doesn't it? Why doesn't Ah ok, pourquoi donc ça, ce qui est écrit sur le tableau n'est pas, it's not the same for the marriage, c'est pas la même chose pour donc le mariage et en fait les autres relations. I'm saying it does. Donc moi je dis que c'est la même chose. If you're single, si tu es célibataire, and you have friends, tu as des amis, these principles they're all the same. Donc ces principes sont les mêmes. If you're a young adult and si tu es un jeune adulte et speak with your parents. Tu parles avec tes parents. It works the same way. Ça fonctionne de la même façon. With siblings, brothers and sisters. Avec des frères et sœurs aussi. With every relationship, even in the work situation, donc, these things hold true. Même, peu importe la situation, même au travail, cela fonctionne comme cela. So I'm saying they do. Donc moi, pour moi, c'est la même chose. What if you didn't know the person really well and you didn't know what their needs were in regards to an apology, what would be a practical example? How to give one? Donc si tu ne connais pas vraiment la personne et que tu ne sais pas exactement donc quel type de pardon elle a besoin, donc comment faire? So if you don't know the person that well, donc si tu ne connais pas la personne suffisamment, so you don't know me very well, tu ne me connais pas très bien. So if I just said si j'ai simplement dit, donc je t'ai fait du mal. No, you said sorry. J'ai simplement dit désolé. And you say that's not a proper apology. Tu vas dire ce n'est pas une excuse correcte. It doesn't matter so much because we don't meet each other that often. Donc c'est pas peu importe puisque nous ne nous rencontrons pas si souvent. Now the closer that I get to you, mais le plus proche, enfin plus notre relation est proche, we become neighbors. Nous allons devenir des voisins. So we meet each other more often. On se rencontre plus souvent. Then it becomes more important. Ça devient plus important. For you to explain to me and show me, tell me. Afin que tu puisses m'expliquer, me montrer, me dire. What an apology looks like to you. À quoi ressemble une excuse pour toi? Now, to answer your question, maybe in a more direct fashion. Mais pour répondre directement. If I did something wrong and I'm going to apologize, si j'ai fait quelque chose de mauvais, je vais m'en excuser. We should all try and make some kind of assessment of the person in front of us. Oui. We should try and make an assessment. An assessment, you mean? I don't know, what's assessment? Analyze. On devrait analyser donc ce que la personne. Ok. So we need to. Ah oui, donc on doit analyser donc quel type de personne nous avons. So I say, donc je dis. Oh, I'm really sorry I did that. Donc je suis désolé d'avoir fait cela. And you say, et yeah, tu dis. It's okay. Ok. It's no problem. No problem. Pas de problème. I'm beginning to pick up that I don't think she accepted that apology. Donc moi je veux me dire, mais je suis pas sûr qu'elle a accepté cette excuse. So
Later on, donc plus tard, I bring you a flower and say I'm really sorry. Donc je vais t'apporter une fleur et je vais dire je suis vraiment désolé. And you brighten up. Et ça va mieux. So I figured, I think I know what your what makes you what an apology looks like to you. You et want, je dis ben maintenant je vois à quoi une excuse ressemble pour toi. She wants me to, she wants some restitution. Quel type en fait d'excuse est valable pour toi? So once you can sort of conceptualize this in a bullet point fashion. Donc lorsqu'on tu arrives à le conceptualiser avec une liste comme cela. You can see. Et tu peux voir. Or sense. Mm-hmm. That the apology isn't really accepted properly. Tu vois que en fait l'excuse n'est pas acceptée donc correctement. It gives you some tools. Ça te donne des outils. To be able to explore it in a different way. Pour pouvoir l'explorer de façon différente. You can come back and say. Tu vas revenir et tu vas dire. You know, I know I said I'm sorry. Je sais que j'ai dit que j'étais désolé. But I want to tell you. Mais j'aimerais te dire. I'm really sorry. There's no excuse for that. Il y a aucune excuse pour ça. Je suis vraiment désolé. And could you forgive me? Peux-tu me pardonner? Because now I'm thinking maybe it's number four that need that. Parce que maintenant je me dis mais peut-être que tu fais partie du cas numéro 4. And you smile. Et tu souris. And you say, of course I forgive you. Et tu dis bien sûr je te pardonne. And so I'm okay. Et maintenant c'est bon. And I think that didn't cost me any money. Et je me dis ah ça m'a pas coûté de l'argent. I don't think that. Non, je ne pense pas cela. So once you can sort of take these concepts. Donc lorsque tu peux prendre ces concepts. Into these sort of little boxes. Dans ces petites boîtes. And they cover most people's situations. Et en fait, ça couvre toutes les situations, la plupart des situations. It doesn't take that long. Ça ne prend pas beaucoup de temps. When you get to know someone, as you get to know somebody. Alors que tu commences à connaître quelqu'un. To realize. Réaliser. What makes them, how they think, how they operate. Pour voir comment en fait elle opère et comment elle réagit. So that's how. If you don't know someone else, that's how I think you explore these things. Donc si tu ne connais pas quelqu'un, je pense que c'est comme ça que tu peux voir les choses. Because otherwise. Parce que sinon. You'd say, I said sorry to her. Tu vas dire, je lui ai dit pardon. But things. Enfin, je lui ai dit que j'étais désolé. Things don't seem right between us. Mais les choses ne marchent pas entre nous. And I only just met her. And I only just met her. Et je viens juste de la rencontrer. I mean, there's nothing going on. Il n'y a rien qui se passe. And what I haven't realized. Et ce que je n'ai pas réalisé. Is that saying sorry isn't enough for you. C'est que le fait de dire je suis désolé n'était and pas suffisant pour toi. And for most of us. Et pour la plupart d'entre nous. Because we haven't thought about these. Comme nous n'avons pas pensé à cela. Different ways of needing donc forgiveness. Les différents besoins par rapport au pardon. We don't know how to sort the problems out. Nous ne savons pas comment résoudre le problème. And you can be married to someone for a long time and not realize it. Et on peut être marié avec quelqu'un depuis très longtemps sans le réaliser. Many couples have been apologizing to each other for years. Il y a des couples qui se sont en fait demandé pardon depuis des années. And their marriages are dry. Et leur mariage est sec. And loveless. Et sans amour. Only because they never knew. Parce que simplement parce qu'ils ne savaient pas. How to apologize properly. Comment s'excuser correctement. So. Because it's such an important part of our lives. C'est une partie tellement importante de nos vies. It's well worth our time. Donc c'est digne de tout notre temps. To first of all think about ourselves, what our needs are. Premièrement, penser à nous-mêmes, donc quels sont nos besoins. Tell your parents, tell your friends. Et dis à tes parents, à tes amis. And get them to tell you. Et fais en sorte qu'ils puissent te dire aussi à toi. Especially husbands and wives. Et spécialement donc les maris et femmes. Especially if you're thinking about marrying someone. Et spécialement si vous pensez vous marier à quelqu'un. Find out how to apologize to them properly before you marry. Donc trouvez comment vous vous excuser correctement avant de vous marier. But it's never too late to learn these. Mais ce n'est jamais trop tard pour apprendre ces techniques et ces méthodes. Brother Eric. An important thing in apologize. Pour moi, c'est de comprendre pourquoi la personne a fait ça. It's to understand why the person did that. For you. Cette frustration de pas comprendre, oui. Pourquoi le sentiment d'injustice à cause de ça. To because. Le fait de pas comprendre pourquoi il y a eu ce tort. When you.
de pas comprendre pourquoi la personne a fait ça. Okay, because sometimes you cannot understand why the person did that. Et le simple fait d'exprimer un remords ne suffit pas. And to express remorse or regret doesn't, it's not enough. Je dois comprendre pourquoi il s'est arrivé. I need to understand why it's happened. So this would be, I think, in this category. Donc ce serait dans cette catégorie-là. Because you want to know. Parce que toi, tu veux savoir. Why I did what I did. Pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Which means I have to take some level of responsibility for what's happened. C'est donc ça veut dire prendre responsabilité pour ce qui s'est passé. C'est ça, vous. Yeah. Any more thoughts? D'autres pensées? So, I leave you to think about these things. Donc, je vous laisse penser à ces choses. Examine yourself. Examinez-vous-même. All the apologies that you've had in your past life. Toutes les excuses que vous, toutes les excuses que vous avez reçues dans votre vie. Which ones have worked and which ones haven't, celles and why they've worked and why they haven't. Marché, celles qui n'ont pas marché, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. And try and find out what kind of a person you are. Et essayez de trouver quel type de personne vous êtes. Then try and find out what type of person your spouse is. Et essayez de comprendre quel type de personne est votre époux ou épouse. And as you discuss each other's needs. Et lorsque vous discutez des besoins de l'un et l'autre. The next time one of you hurt each other. La prochaine fois que l'un d'entre vous va heurter l'autre. Which doesn't take that long often. Qui ça, des fois ça ne prend pas de temps. Then the apology. Donc les excuses. I think you'll find could be really effective and the wound can be healed relatively easily. Être effective et la blessure va pouvoir être guérie de façon plus rapide. Maybe there's been some things gone on for a long time that haven't been resolved properly. Peut-être qu'il y a des choses qui durent depuis longtemps et qui n'ont pas été résolues correctement. And if that's the case, si c'est le cas, this can be used as a tool, ça peut être utilisé comme un outil, to help heal your relationship, pour guérir votre relation, as you begin to understand how each other thinks more, alors que vous apprenez à mieux comprendre comment l'autre pense. So, I hope these different ideas have been of help to you. Donc j'espère que ces différentes idées vous ont aidé. To see these. If I can call it like six different types of people. Si je peux dire six différents types de personnes. Some people need two. Peut-être que deux personnes ont besoin de deux. But you'll always find one of them at the overriding one. Mais on voit toujours une chose qui ressort plus. Find out what your overriding need is. Essayez de trouver quel est votre besoin principal par rapport à cette liste. And your spouses. Et votre époux ou épouse. And your children. Et vos enfants. And you'll see that your relationships will be much better. Et vous allez voir que vos relations seront meilleures. Let's pray. Prions. Heavenly Father. Père céleste. Help us to understand. Aide-nous à comprendre. What type of a person we are. Quel type de personne nous sommes. When we come to apologize. Lorsque nous sommes dans le domaine de demander pardon. When someone is apologizing to us, lorsque quelqu'un nous demande pardon, help us to understand ourselves, aide-nous à nous comprendre nous-mêmes, so that we may have effective apologies, afin que nous puissions avoir des excuses qui soient correctes, so that true forgiveness can take place, afin que le vrai pardon puisse prendre place, and so that we can move on in our relationships, et que nous puissions aller de l'avant dans nos relations. Father, many of us. Père, beaucoup d'entre nous are in a relationship sont dans une relation that is deeply wounded qui est fortement blessée because pain has happened and it's never been healed. Parce qu'il y a la douleur qui est arrivée qui n'a jamais été guérie. May each of us understand for ourselves afin, permet que chacun d'entre nous puisse comprendre pour nous-mêmes who and what we are qui sommes-nous and be willing to share with our close partner, et que nous puissions donc partager avec nos partenaires proches les choses qui nous rendent joyeux et les choses qui nous rendent tristes. May each of us begin to talk
to one another. Que nous puissions commencer à nous parler. In openness and frankness. Avec franchise et ouverture. So that we may have our relationships healed. Afin que nos relations soient guéries. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.